Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la Permousse, un épisode de Fallout 4. Donc il fait suite un petit peu à la vidéo que j'ai tournée il y a quelques jours. Donc vous pouvez voir que j'ai un petit peu d'avance parce que en prévision de mes vacances. Donc il fait suite à la petite vidéo tuto sur les mods parce que Bethesda nous avait empêché d'utiliser les mods. Donc on retrouve un petit peu nos modes de base. Hein. Je voulais voir s'il y avait moyen de changer de lunettes. Apparemment, il n'y a rien de bien terrible. Hein. Ok. Et donc, dans le cadre toujours un jour de plus dans le commode de ces mods, j'ai bien envie, malgré tout, de mettre Ils m'ont pas dit grand chose. Le mode d'armes, donc celui, le même principe que celui-ci qui permet de créer des armures en version arme. Je sais pas encore où est-ce que je vais le mettre. Je vais peut-être virer le canapé qui est là. Bah, je peux le stocker, tiens. Hop. Voilà. Et du coup, je suis con, j'aurais dû rester dans le mode. Mon vieux m'a appris qu'on pouvait réparer n'importe quoi avec du scotch. Mais je crois pas qu'il pensait à des impacts de balles. Voici le poste en question. Hop. Voilà. Crac. On va aller voir ce que ça donne. Crafting, voyez. Guns, pipe. Arme de fortune. Arme à verrou de fortune, d'accord, c'est très bizarre. Je ne vois pas du tout le. Pistolet lance-fusée, fusil de chasse, pistolet à seringue, fusil à clous, fusil double canon, mousquet laser, vous voyez par exemple. Et vous voyez, donc ça requiert les modes quand même, enfin les perks, les niveaux. Vous voyez, les armes uniques aussi hein, sont craftables. Gant de boxe, point américain, gantelet d'écorcheur, donc ça c'est des armes qu'on pourra revoir plus tard. Le gant de boxe a l'air cool. Blunt, canne, démonte-pneus, masse, planche, hop, queue de billard, roule à pâtisserie, tuyau de plomb, clé serre-tube. On aurait presque envie de faire la clé. Bon, enfin bon. Et Others, donc les fusils Ghost, c'est le pistolet Gamma, qui sont eux des armes uniques. Hop. Mousquet laser, fusil double canon. Donc vous voyez, il y a plein d'armes quand même réalisables. Mais ne le prenez pas personnellement. C'est sa manière de gérer la mort de Kai. Mais elles ne sont pas toutes présentes. Alors, parce qu'en fait, on peut régler ça dans le mode. Est-ce qu'on peut faire apparaître toutes les armes du jeu? Oui et non, non. Est-ce qu'on peut faire apparaître par exemple les armes d'avant-guerre? J'ai mis non. En fait, là, dans ce truc-là, en fait, on pourra crafter que des armes qui ont l'air plus ou moins scrapables, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Qui ont en fait des armes de fortune, entre guillemets. Hop, j'aimerais mettre le vélo comme il faut. Parfait. Voilà. Voilà pour les différents workbench qu'on a pu trouver en mode. Alors, maintenant, données. Trouvez la tombe de Shemdrone. Asseyez-vous. Secret de brasserie. Ok, donc on a quelques quêtes sympathiques à faire. Je partirai bien sur la sauterelle dorée qu'on avait commencé, il me semble. Je sais plus si on avait commencé à s'y déplacer. Ah non, parce que j'aime pas cette zone, effectivement. Effectivement. Donc non, pas la sauterelle dorée, j'aime pas la zone. Eh bien écoutez, on va trouver le trésor de Jamaica Plain. Hop, c'est une quête secondaire vraiment diverse, mais... Ah, ça me fait peut-être aller un petit peu trop au sud. Je sais pas. Ou alors on va par là. On va au sud et on se balade. Ouais, bon, on va faire ça. On se déplace à Arglet, on va se balader au sud et on va bien voir si on y trouve quelque chose d'intéressant. Bien que pratique pour éclairer les zones sombres, la lumière de votre pipe-boy réduit votre furtivité. Pensez à l'éteindre quand vous voulez vous faire discret. Ça me semble logique. C'est du bordel un peu partout. Hop, pas d'ennemis.
Au passage, je voulais revoir un truc. Apparemment, en 8, j'ai quoi en 8? Ah oui, le point assisté. La portée ne sera peut-être pas assez grande. Il faudra qu'on voit avec autre chose. J'ai vendu mon arme, le sabre, dans le précédent épisode. J'ai peut-être fait une connerie. Mais bon. On reverra ça une autre fois. Apparemment, là-bas, il y a une caravane. J'ai l'impression qu'il y a un passage là-bas. Ah non, c'est dans ma tête. Il y a une fusée, donc il y a un Red Rocket. Oh! Intrigant. Et antenne relais aussi. Hop. Épingle à cheveux. M'étonne qu'il n'y ait pas plus d'ennemis que ça actuellement. Ah mince, excusez-moi. Heureux, chers amis, donc, alors. La caravane serait par là. Et serait extrêmement proche. Bon. Bah alors. Hop, ça monte. Montre-moi que tu peux utiliser tes mains. Oh, il y a même des trucs... What the fuck? De mobile home, carrément. What? Et des ghouls. Ghoul traqueuse, il y en a d'autres qui se réveillent en plus. Et bouge les voitures, carrément. Hop là. La voiture explose. Hop là, bouffe. Bouffe là, canigou. Putain. Alors. Oh, canigou, voyons. Tu vas bien t'en remettre. Par contre, s'il y en a d'autres, effectivement, ça va être casse-couille. Tiens, je l'aurais parié. What? Saloperie! Tiens! Hé! Hey, perds pas la jambe! Voilà! Reste au sol! Canigou! Fais ton job! Achève-la! Bon, c'est bon, tant pis, c'est pas grave, je l'ai eu. Hop! Canigou! La jambe! Merde, je crois que j'ai tiré dans Canigou. Oh merde, deux fois de suite en plus. Brassard de synthétique. Agilité et perception. Pourquoi pas. Je vous rappelle que grâce à un bonus qu'on a récupéré, la bobolette qu'on a récupéré je sais plus où, on a 10% en plus sur les Steam Packs. Ce qui est plus que pratique. Je m'assure qu'elle soit bien morte. Il n'y a pas un livre en retard par là? Non. En tout cas, on dirait pas. Un ours en peluche, de la flotte. Une télé. Elle est bel et bien morte. Oh. Une boîte en métal vide, dommage. Brosse à cheveux, capsule. Capsule, je prends. Rien dans l'eau. Donc oui, j'ai repris le pistolet pour ceux que ça intéresse, chers amis. J'ai repris le pistolet, on verra bien où est-ce que ça nous mène. Il y a un bol, une brochette d'écureuil. Le nouvel écureuil. Bande 03, d'accord. Oh, vie et amour. Et voilà. Vous gagnez plus 25% de points d'expérience quand vous percevez une femme. Bonus permanent. Oh, génial. Génial, génial, parfait. J'ai bien fait de visiter l'endroit. Oh. Oh, il y a de la bestiole là-dedans. Par contre, si on peut pas rentrer dedans, ça va être casse-couille. Où est-ce que c'est l'entrée? Oh. Oh.
Intéressant. Oh, il va être dur celui-là. Aïe. Tout doucement, hop. Ah, j'étais à deux doigts de la voir. Voilà. Génial. Hop. What the... Oh putain. Oh. Elle a fini par transformer en ghoul, le pauvre. Ok. Capsule, hop, mina plasma, la loupe. On va la prendre. Hop, vu que beaucoup d'entre vous veulent que je les prenne, on va la prendre. Hop là. Alors je suis déçu, je ne savais pas que j'avais mis un mode pour ça, pour cacher un petit peu le truc. Je regarderai si je peux l'enlever parce que ça me va pas. Donc on a la pétoche, maintenant la pétoche frontale, chers amis aussi. Ça c'est cool. Qui crée une ombre, elle aussi. Donc ça de ce côté là c'est vraiment cool. Alors, il est possible aussi que je remodifie certaines choses au niveau de ces armures. Hein. Si je trouve que leur consommation est, vous savez, leur consommation d'énergie au niveau du réacteur à fusion est trop importante, je réglerai moi-même ce problème. C'est-à-dire que je mettrai une consommation moins importante via le. J'ai compris là. Bleh. Non, dans ma tête. Dans ma tête. Bon, c'est pas grave. Donc je réglerai la consommation de ces armures et on verra bien ensuite. Hop. En tout cas c'est un endroit assez intéressant, je reconnais, j'aime beaucoup. C'est pas le genre d'endroit auquel j'aurais pu penser de premier abord quand j'ai fait un jeu, donc je trouve ça intéressant de voir que eux y pensent. Bravo, bravo, bravo. Hop, qu'est-ce qu'on a? Une autre lobande. Je devrais les écouter, je sais, chers amis, mais je les trouve pas... Je trouve ça anti-immersif le principe de pouvoir mettre une radio dans le... Enfin, de pouvoir mettre un lecteur dans une... Il reste pas une seule goule? Une seule goule, pardon? Ah! Là, par contre, c'est intéressant. On a quoi, en fait? À quoi ça mène, tout ça? On va voir à quoi ça mène. Est-ce que c'est un ancien campement? Est-ce que c'est... Ça y est. Oh, il parle dans une radio, en plus, c'est cool. Ouais. On va aller voir d'abord à quoi ça rime. Donc, il y a un câble qui mène une espèce d'antenne. Kanigou a trouvé quelque chose. Eh ben, on y reviendra, Kanigou, d'abord. Ah, faut que je sorte de l'armure assistée. Ok. Hop. Parfait. On y va. Tu m'étonnes, avec les doigts que je dois me taper, je vais péter le clavier. Ok. C'est tout ce que t'avais à me dire en fait? Ok, génial. C'est parti. On y retourne. Ah mais elle dépasse un peu mon armure, non? Bah ouais d'accord, elle dépasse plus à partir du moment où je suis intégré dedans. D'accord. Oh. C'est... Ah merde, je voulais la prendre. Ah, je voulais prendre la chose, vous savez, parce que comme normalement je pensais avoir plus de force dans l'armure acide, je pensais pouvoir la prendre en fait, vous savez, la déplacer. Mais apparemment on peut rien déplacer. Alors ça c'est vraiment dommage. Vu que justement l'armure acide est là pour donner plus de force, on aurait dû pouvoir être à même de déplacer... Hop. J'ai cru en voir une deuxième. Non?
Bon bah je me suis planté, j'imagine. J'étais persuadé d'en avoir vu une deuxième, c'est marrant. Hop là. Oh, une boule légendaire. Génial. Pète-lui la jambe! Voilà! Bien joué, Canigou. Illuminescent, surtout pas. Putain de bestiole à la con, je déteste ça. Putain, mais c'est qui me fait mal en plus? Dégage, sac à caca. Putain, t'es encore debout avec une jambe en moins? Ah non, c'est... c'est une goule normale. What? Putain, mais il me fait mal. Bon, toi, je t'ai eu. Dégage. Ok. Je déteste les luminescents. Déjà, dans le précédent jeu, enfin, dans le Fallout 3, je détestais ça. Je trouve ça vicieux au possible. Hop, Steam Pack. Ah, les Steam Packs sont automatisés. Il n'y a pas d'animation, c'est intéressant. Alors? Bah alors? Eh, perds pas la main! Hein? Je voudrais pas que tu perdes tous tes membres. Oh! Oh, il a un lance-flamme! Qui envoie des flammes radioactives, je tiens à préciser. C'est important. Ah, c'est ça qu'il faudrait pouvoir repeindre nos armes en fait. Plutôt que des reskin, les repeindre. Ah, bref, c'est que c'est mon avis. Hein. Je tiens à préciser. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Oh, mais c'est encore tout propre ici. Oh. Atelier de chimie. J'imagine qu'il faut que je sorte de mon armure. Hop, on la carre dans le coin. Techniquement, ils ne pourront pas passer. Moi non plus d'ailleurs. Alors, non, 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 non. Je ne peux pas travailler. Bah putain, c'était naze, il n'y avait rien à faire dedans. C'est cool. On y retourne. Ah, puis avec la gourde, je trouve que cette tenue est vraiment géniale. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, elle est bien mieux que la précédente, effectivement, qui était très... très scratchy... très scratchy, pardon. Bon, au niveau de la map, qu'est-ce qu'on peut trouver dans le coin? Donc là, oui, forcément, il doit y avoir une espèce de tour. En tout cas, il y a un endroit barbelé. Enfin, avec des grillagés, en tout cas. Barbelé, je ne sais pas, mais grillagé, certes. Tiens, apparemment, il y a une... autre chose, par là. C'est marrant. Et là, il y a un hôpital et surtout un commissariat et un Red Rocket. Donc, il doit y avoir une ville en fait là-haut. Et ce serait le terrain de camping de la ville, entre guillemets. Si on veut dire ça comme ça. Donc, on n'a pas de jetpack encore, hein, je vous assure. Ça viendra. Et là encore, on verra si l'armure elle doit être équipée d'un jetpack et qu'on doit vérifier en fait la consommation du jetpack ou pas. Il y a des modes pour ça, je le verrai. Hein. Je veux pas que c'est pas une question de cheater l'armure assistée. De toute façon, vous avez bien remarqué que je l'utilise pas sans cesse. C'est plutôt pour une question de viabilité. Je veux dire, voilà, si tu trouves une armure assistée, que tu mets un réacteur à fusion dedans, c'est pas pour avoir une petite autonomie, quoi. Oh, plaque chauffante. Capsule. Les photos. J'entends des tirs, hein, vous inquiétez pas. Et des chips. Des Pringles. Oh, du scotch. La vodka. Faut vraiment que je fouille les poubelles, vous voyez, il y a du scotch là-dedans. Bon, il y a de la craie aussi, vous me direz, hein.
Donc c'est une ville protégée. Parce que entourée justement et parce que il y a quand même un truc. Donc j'aimerais savoir où on est. Bonjour. Fort Hagen. Intrigant. Intrigant, intrigant, intrigant. Un cadavre. Bouteille de bière. Oula. Il y a un bouquin là, on est d'accord. Hop, on va sortir deux minutes. Yo. Hop. Est-ce que tu veux bien te casser? Hop. Yo. On peut pas récupérer le bouquin, c'est dommage. Parce qu'on dirait un livre en retard en plus, un petit peu. Plateau de café, du scotch. Et il a pas des boîtes dans le coin ou une boîte? On dirait en fait qu'on va presque se faire attaquer en sortant de ce bâtiment, vous savez. Regardez les bâtiments, l'endroit, comment c'est organisé. Entrez. Retournons-y. À l'abri dans notre armure assistée. Ça sera peut-être le nom de l'épisode d'ailleurs. Après, si vous préférez l'interface comme ça, n'hésitez pas à le dire aussi. Hein. Encore une fois, vous avez un grand Kenigou. Ah yeah. Vous avez un grand pouvoir de choix entre guillemets de décision. Oh. Intéressant. D'accord. Ok. Vous avez entendu là. Là c'est pas moi là. Là je l'ai pas rêvé. C'est soit des super mutants, soit des ghouls. Et la nuit tombe ou c'est moi? Station de ravitaillement de Fort Hagen. Oh, une boîte d'infos. What the fuck? Milicien! Artilleurs. Ouh, ils ont buté des artilleurs en plus, mais ils sont balais. Ah! Tu parles bien. La zone est sécurisée, général. Oh, tu me plais. Tu m'as reconnu. Pardon. Yo. Je surveille le secteur. C'est bien. Ah, ils me plaisent. Ça, c'est une bonne faction. Bon. Ah, puis ils ont leur lit et tout, c'est cool. Alors non, je peux... Oh putain, Kenigou qui me fout les boules. Non, je peux pas les... Je peux pas les scratcher, j'aurais bien piqué juste les lits en fait pour pouvoir en remettre plus à la maison sans avoir à en payer les conséquences. Peut-être qu'après la maison, je la ferai en mode good, on verra bien. Je pense pas après, mais on verra. Enfin, on verra. C'est pas prévu en tout cas pour l'instant tant que le mode n'est pas... Tant que les problèmes ne sont pas corrigés. Ok, de la viande pas bonne. Oh, qu'est-ce que c'est? Du radix. Plaque chauffante, une autre. Oh, wow! Le pauvre! Regardez ça! C'est sublime! C'est prévu dans le jeu, c'est pas un event, il est pas mort. Il est mort là. Il est mort avec son mousquet, avec des mines frags. Et une chier de cellules à fusion! Il comptait ses munitions, le mec, il est là, il était en siège! Il avait un chapeau de la milice, c'était un milicien, merde. Je te pique ton chapeau, je suis désolé l'ami. Sincèrement, je suis désolé. Je suis pas venu assez vite,
J'ai pas pu te sauver la peau. What? Ça c'est génial comme truc. Ah, je peux pas sortir. Dommage. Donc là, il y a quoi? Là, c'est la cantine. Ah non, c'est le labo de chimie. Hop. Je suis désolé, j'ai l'impression que ma souris est hyper sensible aujourd'hui. Au niveau des touches. Là, on a l'air d'avoir un bâtiment intéressant. C'est une porte de garage. Je peux pas l'ouvrir? Ah. Non, apparemment, c'est fermé. Donc, c'est pas un bâtiment intéressant. Je retire ce que j'ai dit. Hop. Là-bas, je vois des flammes. Donc Fort Hagen est un endroit de miliciens. Appartenant à la milice donc. Là, j'ai cru voir quelque chose par contre. Non, il n'y avait rien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un char? What? Mais ce camp de miliciens de la mort. Ils ont un char qui est pas en état de marche clairement, mais ils essaient de faire démarrer. Putain, mais ils sont cool ces miliciens. Attendez, vous avez vu? Ah non, il n'y a rien derrière. Il le couvre en fait. Ah, c'est bien. Franchement, c'est bien. J'adore ce jeu. Là, pour cette direction artistique-là, le principe-là, franchement, c'est génial. Bien joué. Franchement, bien joué, les gars. Là, on se croirait vraiment dedans. La faction n'est pas complètement inutile. Ils sont présents. Toujours derrière les bâtiments. Par contre, oui, j'avoue que ma souris. J'espère que c'est pas mon bouton qui commence déjà à en prendre dans le nez. Non, franchement. Hop. De la lumière, j'ai envie de venir voir. Oh, il y a des cartouches là dans la poubelle. Hop. Mouche bouffie. Il n'y en avait qu'une. Où tu m'emmènes, mon pote? Et m'emmène pas trop loin, s'il te plaît. Avant, j'aimerais visiter l'endroit. Ça ne te dérange pas. Kenigo a trouvé un ennemi. Tout ça. Larve de tic. Effectivement, il a trouvé un ennemi. Où est-elle? Putain, mais ils sont nombreux en plus. Hop. Donc il y a une chier d'insectes. Oh putain, oui, une chier. Mouche bouffie noire. Ah oui, c'est les dangereuses, celles-là. Oh, tu vas te calmer, oui, ma grande. Ouais. Tire. Voilà. Ça, c'est fait. Boum! Hop, les larves tic est morte. Il y avait un cadavre. Porte déverrouillée expert. Ouh. Ouais, j'y suis allé un petit peu en mode bourrin. Voilà. C'est bon. Hello. Pourquoi ils sont rouges, ils sont moches.
Je regarde les toits en fait, hein, je vérifie, chers amis. Terminal de la salle d'examen, intéressant. Ah, je peux y aller en... Ok. Bon. On va en trouver un autre. Là. Et c'est réinitialisé. Ça y est. Voilà, on l'a eu. Protocole d'analyse de sang. Mot de passe de la clinique à jour. Rassurer le patient sur effectuer la prise de sang en respectant les ordres d'analyse. Renvoyer le patient chez lui. Transmettre le sang au laboratoire d'analyse au premier étage. Si personne n'est disponible, à noter clairement les échantillons et les laisser dans, dans une armoire réfrigérée. Mot de passe KJT540. D'accord. Donc on a trouvé un mot de passe. Martin George, général. Analyse de la. Les gens les ont mis en face avec le risque de diabète. Recommandation perte de poids, alimentation plus saine, exercice. Donc malgré tout, ils indiquent santé excellente. Carence en vitamine D, 12 sur 30. Tension artérielle, 140-95. En phase avec un travail technique très stressant. Repos recommandé. Sergent. Thomas Ethan, hémoculture pédiatrique. Eh mais Foragun, c'est pas le fameux fort qu'on devait dire. Non, c'est pas possible. Négatif, patient souffrant vraisemblablement de la grippe, repos alité et prise de fluide recommandé. Nouveau test dans 2 jours si l'effet ne retombe pas. Demandez à une assistante de désinfecter l'ours en peluche. C'est ce que je viens d'avoir, oui d'accord. Donc c'était un enfant, hein. Hémoculture pédiatrique. Soldat, Lopez César. Alors attendez, si c'était un enfant, je voudrais savoir comment il s'appelle. Thomas Ethan, oui d'accord, il a pas de grade, donc c'est bel et bien un enfant. Lopez César M, test standard de MST négatif. Ok. Martin Alexis G, test de paternité, prénatal. Analyse PCR correspondant presque tout point au patient 2498, 90%. Patient assuré de la confidentialité des résultats. Résultat communiqué à l'officier supérieur conformément aux ordres. 24,98, c'est. 24,98, on n'en a pas. Bah si. César M, et l'autre c'est. Martine, d'accord, elle a eu un enfant avec un soldat. Ok. Et un officier lui a dit de rien dire. Nom inconnu, procédure inconnue, résultat inconnu. Note Kyle, j'ai planqué la drogue au sous-sol dans la réserve, elle est dans une glacière, dans le deuxième frigo, troisième rangée, étagère du bas. Le contact l'attend ce soir, ne sois pas en retard, exprime ce message. Dommage. Intéressant. Donc on est au courant de plusieurs choses. Premièrement, que c'était une belle bande de trous du cul. Deuxièmement, est-ce que quelqu'un veut négocier ? Ok, je préfère. Armoire, rien. Scie à os, inutile. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça, grand flacon ? Non. Rien dans l'armoire. Rien dans l'armoire. Potentiellement des ennemis en bas, par contre. Hein. En tout cas, dehors, il y en a. Oh non, il y en a là aussi. Oh merde! Bah, je l'ai eu. En tout cas, j'en ai eu une. Les mouches n'ouvrent pas les portes. T'auras beau essayer. Tic infecté, what the fuck? Alors j'aimerais bien toucher le thorax. Les mouches n'ouvrent pas les portes. Oh
Ok. Pourquoi elle attaque pas? Elle devait être complètement buggée. Vas-y, canigou! Boum! Cette ville est vraiment intrigante. Genre vraiment, 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 vraiment. Wow! Bonjour! Je peux pas te louper à cette distance. J'avais 5% de chance, mais je voulais pas la louper. Hein. Ok. Oui, il y a des radiations. Oui, l'armure est supposée m'en protéger. Et oui, j'espère avoir eu ce que je voulais. Ce qui est bien intéressant, en tout cas. Et il y en a une autre derrière la porte. Radaway. Fausse morille, la morille. Ça coûte cher. Clé de la clinique. Non, non, j'ai envie d'abord de tenter ma chance. Nuka-Cola. Des capsules dans le bureau. Paradis! Je ferme la porte. Au cas où. Poche de sang, poche de sang. Manta, poche de sang. Psycho, poche de sang. Cartouche, cartouche, cartouche. Pique, enfin, crédit. Enfin, capsule. Ouais, non. Argent d'avant-guerre, je prends. Fourchette en argent, je peux prendre. C'est pas la peine. Poche de sang, poche de sang. Champi, champi. Biffotte, poche de sang. Radix, poche de sang. Et du sang partout. Hop. Cachette. Hop les. Joli. Je prends tout. Je récupère ça quand même. Oh, c'est à moi. Hop, poche de sang. Poche de sang, c'est le jackpot, chers amis, c'est le jackpot. C'est le pot de Jack. Nul n'est plus dur que Jack. Nul n'est plus dur que Jack. Yo, what's up, bro? Oh. C'est une larve. Yo. Boum. Voilà. Je peux pas passer par là? Non, je peux pas. Bon bah écoutez, on ressort. Canigou, qu'est-ce que tu fous là? Ah ouais, c'est la tique qui te fait chier. Attends, on va s'en occuper. Où est-ce qu'elle est? Bonjour! Crac! Respecte mon autorité! Elle est légendaire. Boum. Ah glagla. Ah bah non, il peut pas avoir glagla. T'as laissé un bout ici, parfait. Oh non. Brassard gauche en cuir caméléon. C'est quoi ça, caméléon? On avait parlé avec les jetons de métro, faut que je les garde. Quand je suis en train de sneaker, quand je suis accroupi et que je ne bouge pas, ils ont beaucoup de mal à me trouver. Intéressant. On peut prendre. Donc je vous ai expliqué que certains modes permettaient de récupérer en fait les modes qu'on peut mettre sur ces trucs-là pour en faire des, pour les déplacer en fait, pour en faire des modes vraiment. Oh putain, encore une tique. Boum!
Touché. On y retourne. Canigou, tu fais chier. Il va y avoir un bouquin ou un truc comme ça là-dedans, non? Je sais pas. Oh, clé de la clinique. Clé à molette. Ah, clé à molette. Non, ça va être la clé à molette, pas celle de combat, j'imagine. Oh. Il y avait de la pâtée pour chien. Ça va être content, Canigou. Tiens, Canigou, viens voir. Viens voir. Hey. Hop. Moi, je crois qu'il allait complètement bugger. Hop. On échange. Tiens, regarde, je vais donner de la pâtée. Tiens. Soin. Hop. Pâtée pour chien. Tiens, mange. Mange, Canigou. Mange. Oh, c'est bon, chat. Oh, c'est bon, chat. Ok. Là, il y a un trou. Oui, j'ai manqué de me casser la goule. Et alors? Il y a une cartouche. Là, il y a des cartouches. Et là, il y a une porte avec un terminal. Mot de passe. Hop. Commande de la porte de sécurité. Et on va finir l'épisode là-dessus. Hop. Ouvrir la porte. Hop. Intéressant. Oh. Je referme. Hop, hop, hop. Hop, hop. Putain, le nombre de poches de sang. Oh, il y a un bouquin. Le chirurgien dit Massachusetts. Et voilà. Vous êtes réanimé une McDonald's de chirurgien. Infligez 2% de dégâts supplémentaires aux membres. Bonus permanent. Ouh, génial. Terminal du laboratoire d'analyse. Hop, vérifiez les ordres reçus. Les résultats du général Martin sont indiqués comme étant normaux ou excellents. Tous les résultats normaux du reste du personnel de la base doivent être envoyés au RH pour... évaluation. Tous les résultats des analyses de sang de Madame Martin doivent être transmis au général à sa demande. D'accord. Merde, j'aurais dû vérifier plus de choses. Ça doit être tellement fun d'avoir un mec en grosse armure regarder un petit écran comme ça. Analyser l'échantillon de sang. Accès logiciel d'analyse terminé. Vérifier la licence, échec. Votre résultat expiré il y a 2512 mois. Contactez votre supérieur technologique ou coordinateur de l'approvisionnement pour toute demande d'assistance. D'accord. Commande du coffre-fort, on va pas y toucher. Coffre fort, on va le débloquer nous-mêmes. On est grande. Ah merde, il y avait une clé, fait chier. Si j'avais su, j'aurais pas dû prendre la clé. Bon. Manta, Steam Pack. Beg Benzen. Alors, est-ce qu'on peut. Ah bah oui, je suis dans l'armure, donc je peux pas. Hop, regarde le mur, c'est bien. Ah, il peut pas m'en sortir. Ah, y'a pas assez de place pour que je sorte de l'armure? Voilà! Merci! Est-ce que du coup ça laisse la lumière? Ah, je serais pas full par hasard. Canigou! Hey! Viens, par là. Ici! Tu peux pas rentrer dans l'armure? Dommage. Échanger. Hop. Effectivement, je suis un peu lourd. Qu'est-ce que tu vas pouvoir prendre? Qu'est-ce que tu vas pouvoir prendre? Le mousquet laser, déjà. Avec 100 en moins, ça va me faire du bien. Tiens, prends ça aussi. Prends ça aussi. Et le chapeau. Je te remercie. Atelier de chimie. Alors. Ok, du psychobuff. De l'ultra jet. Overdrive, fureur. Ah, ils auraient mérité d'avoir mettre plus de boîtes différentes en fait au niveau des trucs, c'est con. On va faire apparaître une mouche bouffie. De dangereuse. Ok, on y va. Et on reprend l'armure, bien sûr. C'est parti. Canigou a trouvé quelque chose. Où es-tu, Canigou? Oh merde. Ça c'était pas prévu. Ah si je connaissais le con.
s'est amusé. Oh merde. J'avais pas vu crever lui. C'est con. Ah t'es là. Je te suis. Oh putain. Non c'est bon. Oh. Bien vu. Bien vu. Cachette de capsule. Bien vu le chien. Ça c'est un bon chien. Tant que tu me pousses pas en haut, t'es un bon chien. What? J'étais sur le point de rater ça. Caisse de munitions là-bas. Bla, putain. What? Ah, j'aurais raté ça. Bon, bah les amis, on va se laisser là pour cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, donc faire trouver le lien dans la barrière de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer dans le descriptif des épisodes de mon partenaire GameSpot.com qui va gracieusement faire le jeu. Et je les en remercie. Quant à moi, je vous remercie d'être fidèle à la chaîne et d'être fidèle à mes aventures. Encore une fois, merci à vous pour votre sympathie. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et toc.